Du calme, je ne fais que passer, c'est tout. Déclinez votre identité. Moi c'est Sky, je suis journaliste. J'ai rendez-vous à New Vegas pour une émission. Que se passe-t-il, soldat? Un homme qui recherche à rejoindre le strip pour une émission. Une quoi? C'est pas le moment, monsieur. La zone est cloisonnée. On nous a rapporté des mouvements de troupes de la Légion. Quoi? Mais c'est pas possible! Je dois absolument traverser la région! Bonjour. Il est 8h01. Lieutenant, attention! Ne tirez pas! Elle est inoffensive! C'est un hologramme! Elle est avec moi! Un hologramme? Ça fait longtemps qu'elle est avec vous? Klarechka? Oui, bien sûr! Elle était patente! Ouais. Vous ne connaissez pas les hologrammes de la Sierra Madre, vous? Je vous assure que ce rétrobot est le plus fidèle compagnon qu'on puisse avoir. Les robots et autres intelligences artificielles ne sont pas tous des êtres sanguinaires et machiavéliques. Ne bougez pas! Vous êtes qui? On m'appelle Ulysse, soldat de la ligne de partage. N'ayez crainte, je ne vous veux aucun mal. J'ai entendu votre conversation et il me semblait naturel d'y répondre. La ligne de partage? Le passage a été condamné depuis une explosion nucléaire. Disons que nous possédons la plus grande réserve d'ogives nucléaires de tout le pays. Et que faites-vous là? J'ai reçu un courrier de New Vegas pour une raison que j'ignore. Mais c'est sûrement lié à la future présidence. Une présidence? Monsieur House est mort. Le strip de New Vegas est en pleine élection. Monsieur House, ça me dit quelque chose. C'est le père de New Vegas. Il a sauvé la ville pendant la Grande Guerre. Il paraît qu'il a plus de 300 ans. 300 ans? Qu'est-ce que je dois dire de moi? Bon, quand est-ce qu'on y va? Lieutenant, attention, la Légion! Soldats, dispersez-vous, ils ne doivent pas avancer! Viens avec moi si tu veux vivre. Inattendue de la situation dont on ne peut pas pour l'heure évaluer l'impact. Selon l'un des témoins, Dieu nous a envoyé deux anges dont l'un au moins avait un 308 à lunettes en guise d'épée de justice.